Et oui, Gordon Deza et Alexandre Deza pour Games Deza TV. Alors, nous comment des fous? Mais pas des fous. Alors, nous sommes ici à la gare fantôme de Vidzavon. Gare fantôme parce qu'on a l'impression que c'est mort, qu'il n'y a rien. Et donc aujourd'hui, nous avons décidé d'aller à Ajaccio, hein, lui pour une semaine de vacances, et moi pour faire quelques boutiques. Hein. Donc on va aller voir aujourd'hui notre ami Draven Astaroth, hein, à Leclerc, et également Sony de Retropad. Hein. Donc j'espère qu'on va pouvoir également aller au Cache Express. Et plus si affinité, on verra bien comment ça se passe. Alors pourquoi ici? Parce que voilà, Vidzavon, parce que voilà, c'est à mi-chemin, on va dire, entre Corte et Ajaccio. Et c'est une forêt magnifique, verdoyante, surtout en ce moment. Hein. Mais bon, il fait pas très beau là, ça commence à se couvrir, donc on va peut-être pas aller se balader dans la forêt. Ça va toi? Donc Alexandre sera absent des prochaines vidéos, hein, malheureusement il a prévu autre chose, une semaine de vacances chez ses copains à Ajaccio, hein, donc sans nous, on fera les comptes rendus, des achats, tout ça, sans toi. Hein. S'il y a de la bouffe, laissez pour moi. S'il y a de la bouffe, on te la garde, allez, on essaiera de voir ça. Donc voilà, la gare fantôme de Vidzavon, je vous montre quelques images, le tunnel, les rails. Voilà. Alors, on se demande est-ce qu'il va y avoir un train qui va passer, est-ce qu'on attend un peu? Voilà, à mon avis, on va attendre un petit moment. On n'attend pas. Donc, bon, écoute, on va direct à Ajaccio, rendez-vous à Ajaccio, et on voit le générique. Générique. Tu avais vraiment envie, hein. Et nous voici du coup arrivés à Ajaccio, donc bon, excusez-moi si je suis flou, hein, parce que la mise au point elle est pas extraordinaire sur ce truc, donc j'ai le masque, hein, parce qu'on est en magasin, qu'il y a du monde, tout ça. Et j'espère que vous m'entendez bien me parler quand même. Je suis ton père. Mais bon, l'intéressant ce n'est pas ma tête, c'est de voir un petit peu les nouveautés qu'il y a dans ce rayon. Donc nous voici dans le rayon, on va dire produits dérivés, geek. Hein, du Leclerc Baleon, et c'est un tout nouvel agencement. En fait, ils ont récupéré grosso modo tout ce qu'il y avait, hein, au niveau bouquin à l'étage, manga, tout ça. Ils ont tout rassemblé ici. Alors, tout ce qui est comics, du coup, musique, cinéma, manga, les jeux vidéo, bien évidemment. Donc, on va voir ça tout de suite. Non, nom de Zeus, un cadre en relief, Back to the Future. On l'avait déjà vu, mais bon, ça fait toujours plaisir de le revoir. Non, on a cru que c'était la PS5, mais non, c'est la PS4 blanche. Alors regardez, vous reconnaissez ces mains?
C'est des mains célèbres. Ce sont les mains de Sony de Retropad. Ouais, c'est bon, ouais. Hein. Donc on ne verra que ses mains, parce qu'il n'a que des mains, il n'a pas de tête. Ah ouais, belle petite trouvaille. Et tout ceci au rayon Leclerc Baléon. Eh, vous n'avez pas vu l'état du CD, ah, qui est vérifions. Presque bien. Qui est presque bien. Ah, ça veut dire qu'il n'est pas totalement bien. Ah, j'ai oublié de faire la poussière. Ah, la poussière, ça c'est dommage. Ça va, il va passer celui-là, sans aucun problème. Et c'est quoi cette petite cartouche là? Laquelle, Aladdin? Tu connais pas Aladdin? Aladdin? Mais si, je connais Aladdin quand même. T'es sûr? Oh, et là, attention, regardez, il est masqué, mais on va le reconnaître. Eh oui, c'est lui le responsable. C'est toi le responsable de tout ça. Ah bravo. Ouais, ouais. Ah bravo. Toi, tu en veux encore un autre porte-monnaie, toi. C'est ça. Ouais, un escroc. Alors, ça se passe bien, les ventes. Oh, Michael Jordan? Oui. Mais non. Elle est immense. Regardez ma main. Hop. On va essayer de regarder sous la jupe. Non. Merci, suggestion de Sony. Peut-être pas. Non, on voit rien. Hein. On voit rien. Voilà, hein. Peggy 15. Hein. Pour ceux que ça intéresse. Peut-être que je vais essayer de l'ouvrir discrètement. Attends. Il dira rien. Je suis un pote. Hein. Merde, du scotch. Merde. Petit coucou à Natacha, le petit Link de Zelda qui va bien. Petit, pas si petit en fait. Il y a une superbe Figma de l'homme de verre, de Cobra. Les mains magiques de Retropad. Vous laisse plus. Merde. Remets dans la boîte, vite. Hein, pour boire votre café. Zelda. Ouais, parce que toi, en général, quand tu ouvres quelque chose, ça fait peur. Hein, ouais. Oh, c'est un petit porte-clé, en fait, c'est ça? Pour la tasse. Pour la tasse qui se trouve juste en dessous. Ils ont pensé à tout. Surtout que c'est les plus recherchés, hein, ceux-là. Hein. Les Zelda. Hein. Ouais. Ah, celui-là, ça, c'est beaucoup de le voir parce que. C'est le Link Minecraft. Ouais, c'est ça. En pixel art 3D. Vas-y. Oh, et regardez. Oh, oh. Adam et prince d'Eternia, défenseur du secret du château des ombres. Son secret, c'est de posséder une force fabuleuse depuis le jour où il a levé son glaive magique. Explique-nous pourquoi il a deux têtes, Charlie. Capitaine Flamme, tu n'es pas. Lorsqu'il ne reste plus aucun espoir, le capitaine Flamme. C'est lui, ouais, voilà. Là, c'est lui. Bon, là, ils l'ont appelé Capitaine Futur, je sais pas pourquoi. Ils se sont trompés, il y a arnaque. C'est Capitaine Flamme. On s'est fait eu. Merde. Ça pour la. Ah ouais, Athéna, la statue, quoi. Les gens aiment tes mains. Ça s'appelle comment ça? La triplette. La triplette. Et là-dedans, il y a ça. Dites merci aux mains de Retropad qui ont participé à la vidéo. Merci à Sony. Le pouce bleu, n'oubliez pas. Pas que chez moi, hein. Mettez-en chez lui aussi un petit peu des pouces bleus. Il les mérite.
Bon, voilà, donc là, nous sommes partis du magasin et nous sommes allés directement chez Julien. Bonjour. Julien. Salut. Bonjour. Bonjour. Et sa copine qui est là. Et regardez l'état de la bagnole. Voilà, évidemment. Heureusement que j'ai pas de passager. Donc, on va faire un retour sur tout ça dans une autre vidéo, hein, parce que sinon celle-ci va être longue. Et bon, il n'y aura pas Alexandre, donc il est absent cette semaine. Mais il y a même une télé. Mais voilà, on se donnera rendez-vous pour une prochaine vidéo de très 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 vite. Hein ? Et à une prochaine, continuez à vous abonner. Au revoir. Au revoir, Julien. Ciao. Vous risquez d'être flou, hein, mais c'est pas grave.